Moi, mon travail, c'est de créer des matières souples, plutôt singulières, avec des outils ancestraux ou alors des techniques d'assemblage assez anciennes, pour répondre à des besoins contemporains. On peut vraiment travailler à la fois la lumière comme un store et en même temps une séparation d'espace pour pouvoir participer à la construction d'un aménagement intérieur. En 2018, Lucille Drouet fait une rencontre qui va bouleverser son travail. En confectionnant des tabliers pour un restaurant rennais, elle se penche sur le liège et l'intègre à ses créations. Aujourd'hui, vraiment, la majorité de mes pièces, elles sont en liège. Alors le liège, ça a été une rencontre. La première chose, je pense que ça a été le toucher. Il y a vraiment une main qui est très très douce, en fait, de cette matière. Presque comme un cuir très doux, comme un daim, mais en fait c'est une matière végétale. C'est une matière qui n'est pas facile à travailler en fait avec la teinture végétale. Et donc il y a vraiment eu une recherche pour pouvoir l'assouplir, pour pouvoir la travailler comme un textile. Et vraiment ça a été des détours pour pouvoir contourner les propriétés techniques et en même temps la comprendre. Lucille puise son inspiration dans la nature et dans ces fameux chênes liège que l'on trouve principalement en Méditerranée. Il n'est pas nécessaire de tailler l'arbre pour prélever le liège inerte. Son écorce se reforme naturellement au bout de quelques années. Le liège est également un excellent isolant. Il absorbe le carbone, résiste à l'eau et au feu. Animée par une conscience environnementale forte, elle réalise elle-même la couleur de ses œuvres, issues de plantes françaises. Et je suis en train de fabriquer du bleu Maya pour une teinte bien spécifique que je veux obtenir sur le liège. Elle associe au liège du fil de lin tissé par ses soins sur cet ancestral métier en bois. Le tissage, ça va être une des façons de donner cette souplesse au liège. En le travaillant comme un fil, ça va être une des techniques que j'utiliserai. Ces créations se destinent à des designers, des architectes d'intérieur pour du mobilier, de la décoration ou des œuvres d'art à part entière pour un travail toujours sur mesure et respectueux de la nature.